Salut à tous, j'espère que vous allez tous bien. Alors donc pour cette vidéo, je voulais vous montrer comment réaliser la technique de Leiden Magic. Donc encore une fois, je vais vous montrer trois versions différentes, mais il en existe encore bien plus. C'est à vous après de laisser libre cours à votre imagination. Donc moi, Leiden Magic, ça me fait penser à un remix entre le Mika Shift et le Moku Megane. En tout cas, c'est exactement le même matériel qu'on va utiliser. L'élément principal, c'est les plaques de texture, dont celle de votre choix. Franchement, vous prenez celle que vous voulez. Tout fonctionne, donc il n'y a pas de souci. On va essayer d'utiliser un petit rouleau, principalement un scalpel. De quoi couper en tout cas, parce qu'il va falloir scalper. Ensuite, pour les couleurs, deux suffisent, mais honnêtement, moi je vais en utiliser trois parce que je trouve que trois, c'est pour moi, c'est la base. Mais après, vous faites comme vous voulez, bien sûr. Et je vais aussi utiliser du blanc et du noir, mais encore une fois, c'est facultatif. Enfin, pour commencer, je vais faire un dégradé dans ces trois couleurs là avec le blanc. Je vais en faire des boudins avec le blanc au centre, et pour finir, je vais enrober tout ça de noir. Comme je l'ai dit tout à l'heure, maintenant on vient faire des boudins avec le blanc à l'intérieur, donc ça veut dire qu'on commence par le blanc et on vient l'enrouler sur lui-même tout simplement. Et ensuite par la suite, il faudra juste venir l'enrouler avec le noir. Alors le dégradé est facultatif, hein, vous pouvez passer directement à l'étape du boudin sans passer par l'étape du dégradé. Donc là c'est pareil, vous n'êtes pas obligé de prendre du noir, vous pouvez prendre une couleur foncée, c'est vous qui voyez. Donc maintenant on va venir allonger nos boudins et les couper en 3, 4 ou 5 parties égales. Tout dépend de la longueur de votre boudin. Donc on essaye qu'ils aient tous le même diamètre, ça serait quand même un peu mieux. Donc maintenant on va venir les assembler un peu comme dans la technique délicate en essayant d'alterner les couleurs. Donc moi là j'ai fait une canne à 4 étages, mais vous pouvez très bien faire seulement un étage ou 2 ou 3 ou comme moi 4, vous faites vraiment comme vous voulez. Et si vous en avez plus de boudins, bah vous faites un 5e étage, un 6e. C'est là franchement on y va comme on veut. Donc comme je disais, c'est un peu comme la technique délicate. Voilà, on va lui faire faire un quart de tour et on va venir l'aplatir. Donc là pas besoin de l'aplatir énormément, hein. Juste un petit peu, ça suffit. Et donc maintenant, on va prendre notre plaque de texture et puis imprégner tout ça. Voilà. Et il reste plus qu'à scalper. Donc comme le Mika Shift, il faut que ce soit qu'il y ait une surface plane et lisse. Et c'est là que va apparaître tous les motifs. Donc je vous conseille de garder aussi les scalpages parce que je vais vous montrer un truc avec. Donc gardez-les, ça va servir pour la suite. Alors j'ai pris des couleurs assez psychédéliques, donc ça va pas forcément plaire à tout le monde, mais bien sûr vous adaptez à vos goûts. Je suis très pauvre en emporte-pièces, donc du coup je fabrique mes propres patrons. Donc ensuite vous venez prendre la partie que vous souhaitez, que vous préférez, et vous venez lui donner la forme que vous souhaitez pour votre futur bijou. Donc, je vais garder cette partie là et je vais la retourner, puis je vais refaire exactement la même chose.
Donc je récupère les chutes. Je viens les amalgamer pour lui donner une couleur uniforme. On va venir prendre les chutes de notre scalpage et on va venir faire un petit puzzle ou venir les poser aléatoirement dessus. Comme je l'ai dit, pas de gâchis, on récupère tout. Et donc là, ça rejoint la technique de la pâte déchirée. C'est le même principe. On prend les morceaux qui nous plaisent et puis on les met aléatoirement sur la plaque. On vient lisser tout ça. Et après, il n'y aura plus qu'à donner la forme qu'on souhaite. Voilà un autre bijou que je trouve aussi super sympa. Donc avec cette technique-là, du coup, on a récupéré 3 bijoux. Donc c'est ça qui est excellent, non? Moi, j'adore. Donc voilà pour cette première version. Donc maintenant, on va pouvoir passer à la deuxième version. Donc c'est exactement le même principe que la première, sauf que le noir, on va pas l'utiliser de la même façon. Donc je vais réutiliser les mêmes couleurs et je vais faire directement des boudins sans passer par la case dégradée, comme je vous l'ai dit précédemment. On n'est pas obligé de passer par la case dégradée. Mais là, si vous voulez refaire un dégradé, il n'y a pas de souci, vous pouvez le faire. Donc on va venir les positionner exactement de la même façon que tout à l'heure, mais sauf qu'il n'y aura pas le noir autour cette fois-ci. Et du coup, mes boudins sont beaucoup plus petits, donc il n'y aura que 2 étages, mais bon, ça fonctionne tout aussi bien. Ça sera beaucoup plus petit du coup, j'étais un peu radine sur les bords. Donc là on peut reprendre le noir et on va venir l'aplatir le plus finement possible et poser notre plaque par dessus. Et on appuie très fortement. Et on vient scalper tout ça. Et on n'oublie pas de garder nos scalpages si jamais on veut les réutiliser après. Là, il y a de l'erreur à pas faire, j'ai scalpé un peu trop fort, du coup le motif est parti. Qu'à cela ne tienne, on recommence de l'autre côté. Et donc voilà pour cette deuxième version, et maintenant on va pouvoir passer à la troisième version qui est assez différente, et puis bah, pour le coup, du coup, je vais prendre des couleurs différentes aussi. Alors pour cette troisième version, je vais changer les couleurs. Donc je vais utiliser du jaune et du vert que je vais faire en dégradé avec un petit peu de blanc au milieu. Et pour remplacer le noir en tant que couleur foncée, je vais utiliser du cuivre parce que je trouve que ça allait bien ensemble. Enfin bref, après ça c'est qu'une question de goût. Hein. Ensuite, je viens prendre mon cuivre et je viens l'étaler le plus finement possible et je viens l'étaler dessus. Et donc on va faire notre plaque de texture. Donc là pour celle-ci, je vais utiliser du talc parce que sinon ça va rester collé. Donc il faut bien te maintenir parce que du coup avec le talc ça va glisser. Ça fait un mica shift en même temps, même si c'était pas le but recherché, ça fonctionne. Et on vient aussi faire la même chose avec le reste du scalpage. Et donc voilà le résultat pour cette troisième et dernière version. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. Si vous en inspirez, n'hésitez pas à me montrer vos créations, ça me ferait énormément plaisir. N'hésitez pas non plus à me dire quelle version vous avez préférée, même s'il en existe encore bien plus. Après c'est à vous de laisser libre cours à votre imagination, je vous fais confiance là-dessus. En attendant, moi je vous fais plein de bisous et je vous retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Bye bye.